et invité mon amie Masako à se joindre à nous. C'était d'ailleurs en partie grâce à elle que j'avais fait la connaissance de Daniel. Nous étions toutes les deux très impatientes de voir comment était fait un homme étranger. Il apparut surpris, c'est normal. Il ne pouvait pas se douter que je lui donnerais aussi vite la marque de notre amitié. Ce qui est certain, c'est qu'il était tout bouleversé par l'émotion. C'est peut-être parce qu'il m'aime. Peu de gens connaissent l'importance qu'a au Japon la marque extérieure de politesse, c'est-à-dire les salutations. Pour être bien jugé, il faut toujours être le dernier à saluer l'autre, même si celui-ci veut être aussi bien jugé que vous. Plus vous saluez, plus on aura de considération pour vous, même si vous bouchez le passage dans le métro, dans la rue ou à la porte des toilettes. Au banc public, la nudité complète des hommes et des femmes n'exclut nullement ce cérémonial de politesse. Mais avec l'affluence dans les bains, il faut se méfier en saluant de ne pas donner un coup de derrière dans un autre derrière qui salue dans votre dos. C'est incorrect. Et de plus, avec le sol mouillé, cela entraîne toujours une catastrophe. Il y a de gêne, il n'y a pas de plaisir. Daniel est toujours abasourdi par la foule japonaise. Il ne comprend pas que la plupart des 5 millions de Japonais prennent le train aux mêmes heures et aux mêmes endroits. Eh bien alors, qu'est-ce que cela serait s'il prenait tous une bicyclette comme il le préconise? Contrairement à mon ami Masako, je n'aime pas les trains et les bousculades. Mais Masako prétend qu'on y fait des rencontres intéressantes.
elle ne pense qu'à se faire de nouvelles relations. Il est tellement naïf que je n'ose pas lui faire la moindre avance sentimentale. D'ailleurs, lui, il ne pense pas du tout à ces choses-là. En ce moment, il est subjugué par les petits drapeaux pour piétons. Toute la journée, il sort pour le seul plaisir de traverser la rue.